ici à l'accueil, à Pouvoirie-Point-la-Vigne, c'est un relais motoneige très, très, très populaire. Et là, on est dans le temps de la pêche. On peut toujours demander un plat américain et se commander une petite frite comme ça sur le pouce, recommander ça d'avance. Il y a aussi pour les pêcheurs, pêcheuses, différents articles de pêche pour nous dépanner comme ça. Donc, c'est très, très, très beau et je vous invite à venir voir. Pouvoirie-Point-la-Vigne, il n'y a pas juste des beaux chevreuils. Il y a un beau chemin d'asphalte jusqu'à l'accueil. Puis là, si vous avez un chalet isolé, bien, vous pouvez y aller avec votre auto. Mais si vous avez un chalet proche de l'accueil, bien là, quand c'est le temps d'aller à la pêche, on vous fournit le transport. On vous transporte. Ça, c'est extraordinaire aussi. En plus du personnel très, très intentionné, tout est propre partout. Partout, partout, et c'est fort agréable. Donc, à tantôt pour la suite. Pour les amateurs de pêche, c'est toujours possible d'apporter sa roulotte, un petit emplacement, quelques emplacements, mais vraiment, pour la pêche, c'est possible. Voici la mouche Coin-la-Vigne, un petit streamer, ma préférée que j'ai inventée, que j'appelle Fourmi, la casual dress. Pouvoirie Coin-la-Vigne. Écoutez, on a fait un tour de lac. Tranquillement, une belle mouchetée à mouche sèche, ma préférée. Une belle mouchetée, pêche d'automne, truite toute colorée. Tiens, première, hey, ça fait à peu près quoi, 20 minutes qu'on pêche même pas. Ah, je vais vous montrer ça. Elle s'enroule comme faut après le filet. Voilà. Regarde ça, les belles truites d'automne, hein? Regarde les couleurs de ça. Ici, au coin de la vigne, il y a de la truite ensemencée, bien sûr, mais il y a de la truite sauvage. On est dans le lac. Cuvette. Regarde ça, c'est belle. Yes! Elle a sauté dedans. Il maudit cinq fois! Elle doit avoir ça! Elle doit avoir sauté cinq fois! Une belle arc-en-ciel! Oh wow! Ça c'est un tabarouette! Hey, puis ça là, c'est avec la mouche! Check! Check sur le bord! Avec la mouche! Coin de la vigne! Wouh! Wow! Regarde ça! Wow! Elle est belle, hein? Hey, ça c'est un beau spectacle, hein, Chantal! Oui. Hey, ça marche notre affaire le matin, hein? Super. Yes, on fait du pêche? Oui. Bon, ben là, on va faire un petit comptage. Combien on a? Elle, je sais pas si ça va rester là, là. Mais non, c'est ça. Bon, mettons une. Viens-t'en, ma chérie. Mignon. C'est coulant, c'est glissant, poisson. OK, bon, mettons une. Oh. Mettons une. Deux. Trois. Notre arc-en-ciel. Oups! Quatre. Cinq. Six. Sept. 8, 9, 10. Fait que là, on a un quota de prix. Plus celle qui gigote. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Ben oui! Bon, ben c'est 10 truites par jour. Par permis, hein? Puis là, je ne l'ai pas demandé, mais normalement, la limite provinciale, ça devrait être ça. C'est 5 arc-en-ciel par permis. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Fait que là, c'est ça, on a 6 mouchetés. Donc, ben là, il nous reste 9 truites à prendre
par jour. Allez, regarde ça. Fait que c'est cool, c'est le fun. Ah non, attends un peu, faut que je regarde l'heure. On a commencé à pêcher vers 7h. Oh, c'est vers 7h, juste pour vous dire l'heure, pour vous dire que l'automne, ça mord en tabac. Que ça marche-tu, ça? 8h30. Hey! Regardez-moi ça, comment c'est fort. Oui! Oh oui! Oh oui! Oui! Hey, ça, c'est une truite de 3 livres! Oh, tabarouette! Oh, wow! Oh, wow! Ça, c'est une truite! Oh, checkez-moi les truites du lac Labbé. À la mouche, mes amis, il n'y a rien pour arriver avec ça. Regarde ma petite casual dress, bien piquée, mais vraiment de côté. Là, mes amis, ça, ce matin, c'est sérieux. Un beau gros mâle foncé. Ici, on a le droit à 4 heures de pêche. Et comme demi-journée, 4 heures de pêche, c'est 3 par permis. Toutes les bétails de 1 à 10 livres par état. Mais ça, ça pèse au moins 3 livres. On va peser ça tantôt. Moi, j'avais dit 3 livres et elle pèse exactement 2 livres 15 onces. Je ne me suis pas trompé ben, hein? Belle grosse truite. Regarde les belles couleurs. Regarde ça. Wow! Regarde ça. Oh! Hein? Regarde ça. Oh. Oups, ici. Regarde ça, toi. Regarde bien ça, je vais te montrer ça, des belles couleurs. Hey, regarde. Regarde si c'est beau une truite mouchetée. Moi, là, sérieux, là, sans exagérer, là, c'est quasiment comme si c'était la première à chaque fois. Je trouve ça tellement beau, puis c'est le fun. Puis c'est délicieux. Ouais. Yes. Merci, ma belle truite. Oh, quand elle est belle. Oh, tabarouette. Oh oui, oh oui, oh oui. Regarde ça, regarde ça. Oh oui, oh oui. Aïe, je peux pas toutes les échapper, là, quand même. Oh là 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 là, mes amis. Oui, oui, oui. Oh oui. Et regarde ça, toi. Wow. Oh, hey, regarde ça. Lac Poisson Blanc, Pauvoirie, Coin-Lavigne. À 2, on a 14... C'est combien, Chantal, déjà? 16. Ça, OK, c'est ça. 14 mouchetés, puis 2 arcs-en-ciel en l'espace de 2 heures et demie. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Vraiment le fun. À Fourmi, puis quand je vois le dress, on avait chacune mouche comme ça. Donc, très belle pêche. C'est déjà le retour. Ça a passé très, très vite. On a eu une qualité de pêche extraordinaire. C'était bien, bien le fun. Beau chalet. C'est toujours un bel endroit, la Naudière. Pauvoirie, Coin-Lavigne. Mettez ça dans votre top 5 en haut de la liste pour faire un tour. Écoutez, la pêche est ouverte à l'année. C'est bien, bien beau. Les gens très, très gentils. Donc, on se dit à la prochaine.